L'autre jour, je suis en train de monter à Isola en voiture et puis j'entends à la radio la pub pour un opérateur téléphonique. La pub consistait en un homme qui demandait à une femme de l'épouser et celle-ci répondait non parce qu'elle voulait être libre et du coup elle avait tout compris. Du coup, ça veut dire quoi? Que l'engagement, c'est une privation de liberté? Ou alors que pour être libre, il faudrait ne pas s'engager? Or, vivre en société, c'est pas vivre les uns à côté des autres. Vivre en société, c'est vivre les uns avec les autres. S'engager, c'est d'abord apprendre à se donner. À se donner à celui ou à celle qu'on aime, par exemple dans le mariage, mais aussi à se donner aux autres, dans l'humanitaire ou dans l'entraide avec ceux qui nous entourent, avec nos voisins, avec nos personnes âgées qui habitent par exemple dans notre immeuble. L'amour ne s'enferme pas sur soi. L'amour, au contraire, il s'ouvre sur les autres. Alors oui, moi je pense qu'ils n'ont rien compris. Parce que l'engagement nous fait grandir. L'engagement nous fait avancer. L'engagement nous apprend à aimer. N'oubliez jamais, God is love.